Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour éventuellement. Ici Maître P, gardien de la tradition. Au nom du Créateur et les manes de nos ancêtres qui nous accordent la vie et surtout la santé. Prenez votre petit carnet et écrivez. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette. Parce que je dis toujours, ici nous sommes dans les recettes, les rituels, la tradition. Il n'y a pas d'astuce ici. Cette recette, c'est ce qui fait un fléau de nos jours. L'amour, les problèmes de cœur, ça finit pas. Mais quelque part, c'est ce qui fait de nous des humains. Mais comme je suis l'avocat des femmes, je dois toujours défendre les femmes. Mesdames, je vous ai dit, nous sommes en 2020. Le niveau montant, de niveau en niveau. Mes pères vous réservent une petite surprise ce soir. Simple, d'une efficacité grave. Très grave, mais radical. À la portée de même la femme la moins instruite, sans instruire aucune femme, bien sûr, entre guillemets, moins instruite, peut réaliser ce rituel. Pour cela, nous avons besoin d'une bougie, une bougie blanche. Peu importe la grosseur de la bougie, une bougie blanche. Trois aiguilles à tête rouge, une gousse de poivre de Guinée, une bobine de fil blanche et une bobine de fil noir, et un peu de cendre. Vous voyez, quand vous faites les fourneaux de feu, il y a de la cendre au fond. Ou alors les gens qui allument, dans certains pays, ils allument ce qu'on appelle des toreilles ou des choses qui mettent... Mais si vous n'avez pas tout ça, vous faites brûler du charbon. C'est bien brûlé, ça fait de la cendre blanche comme ça. Une bonne quantité pour avoir une quantité ainsi. Peut-être 2 grandes cuillères. Mais normalement, nous n'aurons pas besoin de tout ça. Vous allez vous verrez par vous-même. Un couteau. Une paire de ciseaux, un bic et une feuille. Donc nous allons procéder tout de suite. Je ne suis pas un grand dessinateur, parce que Maître P est gardien de tradition, mais je vais faire un effort pour faire quand même un cœur. Je vais faire de mon mieux. Donc ne riez pas de mon cœur. Juste un petit cœur. Nous coupons la feuille. Voilà, nous coupons encore une fois. Maintenant, toute l'histoire, c'est de faire le cœur. Donc, je ferai de mon mieux. Pour faire un cœur à la façon de Maître P. Mais vous-même, si vous êtes meilleur dessinateur que moi, faites un beau cœur. Lorsque mon cœur sera pas mal quand même.
un petit peu. Elle perd son cœur quand même. C'est sûr, vous pouvez vous-même prendre un bic, dessiner un cœur correctement et après vous pouvez le découper. Prenez un cœur. Avec votre bic, vous écrivez ici, quand vous êtes la personne qui demande, vous écrivez de droite à gauche. Vous appelez je mets toujours Dupont parce que c'est un nom neutre. Vous appelez Dupont. Dupont dans ce sens-là. Maintenant, la personne en question, regardez bien, la personne en question, vous écrivez l'initial de son nom. Je vais simplement, pour éviter qu'il y ait trop de questions, vous écrivez ces deux noms, Dupont et de l'autre côté, vous écrivez encore Dupont. Donc ça fait votre nom ici, tu mets bien, votre nom ici, et ces deux c'est son prénom et son nom. Donc vous, juste votre prénom, et sur vous, vous mettez ces deux prénoms. C'est son prénom, excusez-moi, son prénom et son nom. Vous mettez votre prénom, la personne qui demande, et la personne que vous voulez faire venir, vous écrivez son prénom et son nom. Peu importe que vous avez mis son nom là, son prénom là, ou son nom là, c'est pas grave. Avec un bic bleu. Parce que bleu, c'est universel, que ça va l'attraper dès qu'il touche un bic bleu, ça va de l'effet et de l'impact sur lui. Toujours secret pour les femmes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et partagez la vidéo, activez les cloches de notification. Maintenant, c'est fait, nous passons à autre chose. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre cœur, vous savez que vos deux noms, comme je vous l'ai dit, vous prenez votre bougie avec une aiguille en partant du haut. En partant du haut, vous écrivez votre nom d'abord et votre prénom. Vous écrivez Dupont. Maintenant, de l'autre côté, vous écrivez votre prénom, Dupont. Maintenant, vous écrivez de l'autre côté le nom et le prénom de la personne. Donc, vous mettez Dupont. Prenez votre temps pour faire ça. Hein. Dupont. Je suis s'appelle pas Dupont, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez votre nom d'un côté, juste votre nom, et lui il a son nom et son prénom sur votre bougie. Mais cette bougie là, vous l'achetez n'importe où, dans n'importe quel supermarché, magasin, boutique, n'importe où, à midi. Et quand vous l'achetez, vous dites, je ne vais pas mettre ça dans la barre de description. Repassez la vidéo le nombre de fois que vous voulez. Vous dites, bougie, ce n'est pas toi que j'achète. C'est la volonté de telle personne que je prends. Vous payez la bougie et vous partez. Vous laissez la monnaie. Ce n'est pas la peine de prendre la monnaie. S'il y a la monnaie, vous prenez, mais vous n'insistez pas sur la monnaie. Maintenant, avec votre gousse de poivre de Guinée,
Et l'ouvrir. C'est la coquille que vous avez besoin, ce ne sont pas les grains. Ça, j'ai pris je sais que déjà un peu fatigué. Assurez-vous qu'il n'y a pas de grains à l'intérieur. Maintenant, sur le petit cœur, vous avez écrit votre prénom, et son nom et son prénom. Alors, son prénom et son nom. Faites rentrer à l'intérieur du gousset vide de poivre de Guinée. Et vous prenez la somme, vous mettez à l'intérieur. Gardien de la tradition, nous sommes dans la tradition. C'est notre degré de tradition. Hein. Pas beaucoup, mettez un peu. Si vous sentez qu'il manque un peu, vous pouvez rajouter, qu'il soit bien rempli. Déposer. Prenez votre fil. Et vous faites ça à minuit, toujours à 0h. Les gens me disent toujours pourquoi vous restez à 0h. Parce que 0h, il n'y a pas d'heure. C'est 0h que nous faisons tous les travaux. C'est 0h des forces au plus se déplacer. Donc regardez dans le sens que j'attache. Je vais l'attacher dans ce sens-là. Et vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez dire son nom. C'est-à-dire, Intel, je veux que tu reviennes à moi, je veux que tu retournes, je veux te voir, je veux que tu sois avec moi comme avant, que tu retournes, que tes sentiments renaissent pour moi. Il faut parler, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Tout ce que vous souhaitez dans votre cœur, vous parlez, 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 toute la façon que vous voulez qu'il puisse retourner vers vous, tous les bons moments que vous avez eu ensemble, vous parlez. Et faites attention, n'appuyez pas trop fort sur la gousse d'attaque pour ne pas tout écraser. Vous parlez, 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 vous parlez. Pendant que vous parlez, vous vous attachez. Mais dans le sens contraire de l'aiguille du monde, vous attachez. Vous attachez, vous attachez, vous attachez, vous attachez, vous attachez, vous attachez. Et pendant que vous attachez, vous parlez. Vous dites que je veux que tu... Voilà, tu, puisque c'était votre gars, votre compagnon. Donc, ça, c'est pour faire venir un homme. Vous parlez, 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 vous parlez. Vous dites tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez. Ensuite, à un moment donné, vous vous arrêtez. Vous prenez la bougie, peu importe le sens. Et là, vous mettez la bougie vers le bas, comme ça, et vous allez continuer à attacher. Et vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez.
au Paris. Vous dites que je veux que tu reviennes avec moi. Je veux te voir le plus vite, le plus rapidement que possible. Il faut que tu retournes à moi. Il faut que tu retournes vers moi. Je veux que tu sois à moi. Je veux que tu oublies toutes les femmes qui te courent après. Je veux que tu te rappelles des bons moments. Comment je t'ai aimé. Comment tu m'aimais. Vous parlez, 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 parlez. Tout ce qui est dans votre cœur, dans le bon sens, ne demandez rien de mal. Que demander que de l'amour. Tout ce qui est amour, c'est ce que vous parlez ici. La façon que nous étions ensemble, je veux que cet amour puisse revenir. Je veux que tu te rappelles de moi. Je veux que tu te rappelles. Tu m'as aimé et je sais que tu m'aimes encore. Vous parlez, 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 vous parlez. Vous dites, vous faites marcher votre cœur. Et beaucoup d'émotions dans votre cœur. Je ne vous ai pas dit de pleurer parce que vous me connaissez. J'ai dit, on ne pleure plus de femmes. Avec un grand F, nous sommes dessus. Pas de pleurs. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous attachez le fil, vous attachez la gousse de poivre guinée sur la bougie et vous parlez, 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 vous parlez. Quand vous avez fini de parler, vous tournez comme ça, vous continuez à parler. Vous dites, je veux que tu retournes avec moi. Vous dites son nom, je veux que tu retournes avec moi. Souviens-toi de tous les moments que nous avons passés ensemble, tous les bons moments. Peu importe ce qui s'est passé, même si c'est moi qui t'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, qui t'a pas fait plaisir. Je te demande de me pardonner, d'oublier le passé. Retournons sur, prenons un nouveau départ. Soyons ensemble. Parce que mon cœur bat pour toi. Mon cœur a de l'amour pour toi. Mon cœur ne voit que toi. Pense à nous. Pense à nous. Maintenant, quand vous avez fini de dire ça, vous allez casser le fil comme ceci. Comme ceci, vous avez vu, tirer seulement. Donc ça est prêt. Maintenant, vous prenez vos trois aiguilles. Vous allez dire son nom et son prénom. Son nom et son prénom. Vous dites que je veux que tu retournes avec moi. Vous faites entrer ici. Deuxième aiguille. Vous dites son prénom et son nom. Je veux que tu retournes avec moi. Faites attention pour ne pas vous piquer. Vous faites traverser de l'autre côté. Maintenant, vous dites encore son prénom et son nom à moitié. Et ensuite, vous dites son nom et son prénom encore. Et vous enfoncez. Ça vous donne ça comme ça. Ça vous donne cela, ceci comme ça. Maintenant, vous avez votre travail enfin prêt. C'est prêt. T'es bien prêt. Qu'est-ce que vous allez faire? Toujours à minuit, le jour que vous avez choisi, mais en principe, les retours d'affection, il faut que je vous explique bien les choses, c'est très important. Les retours d'affection pour que ça soit efficace. Ça se fait le vendredi à minuit ou le mardi à minuit, ou vendredi à midi ou mardi à midi. Ou vendredi à 6h du matin, ou mardi à 6h du matin. Donc je répète dans un sens logique. Le vendredi matin à 6h du matin, vendredi à midi, ou vendredi à minuit. Ou mardi à 6h du matin, mardi à minuit, à midi, ou mardi à minuit. Vous avez compris? Donc maintenant, vous êtes dans une pièce seule, d'accord? Pourquoi on enlève les habits? Parce que les habits, vous ne savez pas où vous êtes passé avec ces habits-là. Il peut y avoir de mauvaises vibrations. Sauf si vous êtes lavé, vous avez pris un bon petit bain de purification, même si c'est du parfum, vous avez mis dans de l'eau, vous êtes purifié, vous sentez propre, vous mettez des vêtements propres sur vous. Mais des vêtements qui ne sont pas des vêtements de couleur. Vous pouvez mettre des vêtements blancs, des vêtements roses. Mais tout sauf rouge, noir, tout ça, vous ne mettez pas ça sur vous. Blanc, rose. Bleu, ouais, des couleurs gaies, même si c'est fleuri, c'est bon. Maintenant, à 0h, donc vous pouvez préparer ça avant 0h, et à 0h, face au soleil levant, à l'est, vous allez prendre, je ne vais pas allumer ça ici parce que c'est un travail qui est préparé, face à l'est, vous allumez votre bougie. Clac, vous l'allumez. Quand vous l'allumez, vous faites votre vœu.
Vous faites votre vœu. Vous dites, si c'est un vendredi, c'est vendredi. Et pour les femmes, le mieux, je vais insister, monsieur, je suis désolé, j'ai dit le mardi, parce que c'est il y aura des recettes aussi pour les hommes pour le mardi. Là, nous sommes sur la page secrète pour les femmes. Donc, je vais rester sur le vendredi. Le vendredi, vous dites, au nom de la déesse Anaël, Anaël, je veux que telle personne revienne avec moi, ou bien retourne avec moi. Mais soyez sincère, soyez dans la sincérité. Soyez au fond de vous-même, il faut que dans votre cœur, que vous soyez très sincère dans ce que vous dites. Et quand vous avez fini de faire ça, vous dites ça 7 fois. Anaël, déesse de l'amour, gardienne de Vénus, je t'envoie chercher telle personne pour le ramener vers moi. Anaël, parce que le vendredi, c'est le jour de la planète de l'ange dominateur, c'est Anaël pour le vendredi. Et c'est l'ange qui s'occupe de tout ce qui est l'amour. Et ça s'occupe pour l'amour, la femme qui veut faire revenir un homme. Le mardi, c'est des hommes qui veulent faire revenir une femme. Donc là, ici, nous sommes sur la page secrète pour les femmes. Donc c'est un secret qui se fait le vendredi pour les femmes qui veulent revenir leur mari ou leur concubin. Donc quand vous avez fini de dire ça 7 fois, vous sortez dans la pièce. Et vous faites vos préoccupations et autres. Mais de temps en temps, vous soulevez la bougie. Vous regardez la bougie de temps en temps, chaque peut-être 1 heure, 2 heures de temps, même si vous avez des courses à faire. Et quand la bougie arrive à ce niveau-là, je vous montre bien, au niveau de l'aiguille qui est là, au lieu de souffler, vous ne soufflez pas. Avec votre main, vous faites ça. Le vent de votre main, vous l'éteignez. Et vous prenez cette bougie, faites attention pour les aiguilles, puisse pas vous piquer. Vous prenez cette bougie, vous cachez ça dans un coin, soit dans l'armoire ou bien soit quelque part. En 7 jours maximum, la personne reviendra vers vous. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Mais bien, gardez la tradition. La personne va revenir, forcée. Il n'y a pas photo. Je ne peux pas reprendre tous les mots parce que quand on prononce les mots, on déclenche la force. Moi, je n'ai pas besoin de déclencher la force ici. J'ai des choses à faire. Donc, je pense que vous avez la vidéo. Réécoutez et puis notez. C'est une vidéo. Vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous voulez. Mais faites les choses telles que je vous les explique. C'est important. Vous avez la vidéo. Vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez repasser doucement. Tout. J'ai tout dit. Donc ne me posez pas des questions sur ce que vous ne comprenez pas, parce que tout est là. Et tout ce qui est là, on trouve tout. Donc il n'y a rien à aller pour dire que je ne trouve pas. On trouve tout, s'il vous plaît. Donc, c'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, et Olé, au nom du Créateur et l'Imane de nos ancêtres. J'étais très heureux de vous donner cette recette. Première recette pour l'année 2020. Et cette recette-là, c'est un niveau, level, de montant, de niveau en niveau. Faites-le. Si vous le faites un vendredi, avant l'autre vendredi, la personne, c'est impossible que cette personne ne se manifeste pas. Ça, c'est garanti. Donc, gérer. Là, vous faites en sorte pour faire venir. Quand la personne est là, il ne faut pas faire votre maligne pour faire la personne partir. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Et voient le gars, à ce moment-là, ils font non, le spirituel, ça ne marche pas comme ça. Vous avez fait déclencher une force. Donc, quelqu'un, je ne vous dis pas de tomber dessus. Puisque vous avez quand même votre dignité. Mais vous savez très bien que vous avez déclenché une force après quelqu'un. Il faut là aussi gérer de façon à ce que vous pouvez vous asseoir, discuter et autres. Vous posez la question, pourquoi tu es revenu? Bon, les femmes, vous êtes très intelligentes. Vous êtes nos mamans, nos sœurs, nos filles. Nos femmes, vous êtes tout pour nous. Mais P, c'est votre avocat.
Je pousse les recherches à l'extrême. C'est ma connaissance, c'est une science. Je le dis toujours, c'est une science. Ici, nous sommes dans la science occulte. Il n'y a pas d'astuce ici, ce sont des recettes, des rituels. Et ça fonctionne. Vous le savez très bien, puisque vous-même, vous m'écrivez pour me donner le résultat. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. C'était Maître P. Et juste une petite parenthèse. Tous les commandes qui ont été passées, tout a été envoyé. Donc les gens qui me disent que je les ai fait une photo du Bordeaux de DHL et qui me disent que est-ce qu'ils doivent appeler DHL, écoutez, c'est simple. Vous avez un Bordeaux, sur le Bordeaux, il y a un numéro, on appelle ça le numéro de suivi. Je vous dis ça en français, le numéro de suivi. Et en bas, vous avez le site. Le site de DHL. Donc vous allez sur le site de DHL, vous mettez le numéro de suivi, vous savez où se trouve votre colis. Donc je pense que j'étais très clair ici. Tout a été expédié. Tout le monde, les colis sont en cours. Il y a ceux qui ont déjà reçu leur colis, qui ont déjà même mis le No Limit en action. Faites ça. Je vous donne les choses. Faites-les. Surtout, prenez votre petit carnet. Écrivez. C'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Je vous aime. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Sauvez la vie de beaucoup de femmes. Sauvez la vie de beaucoup de femmes. Parce que la prochaine vidéo, ça va être pour les femmes qui aiment prendre, arracher le mari des gens. J'avais déjà annoncé ça. Elles ne vont plus faire ça. Donc, mesdames, les arracheuses de mari, vous êtes prévenues. La vidéo qui viendra bientôt, ça, vous allez toucher le mari de quelqu'un, on va vous... Vous allez rester dessus. Vous allez rester dessus. Il n'y a pas moyen. Tant que la femme du monsieur n'est pas venue, personne ne peut vous décoller de là. Vous allez rester là. Donc, on a dit, un homme a vêtu en vous deux. Sur ce, je pour corriger de vous sur cette vidéo. Et je vous dis, je suis désolé pour vos messages. Vos messages sont... Vous m'avez envoyé beaucoup de messages. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de lire les messages. Excusez-moi. Je vais vous consacrer un peu de temps aux messages. Pour l'instant, j'ai trop de choses à faire. Donc, patientez un peu. J'ai toujours donné réponse à tous vos messages. Donc, soit vous insistez sur vos messages, mais sauf si c'est des messages qui sont concrets. Je suis très clair. Ici, c'est gratuit. Quand vous contactez Maître P, c'est payant. J'ai toujours dit ça. Moi, je suis très clair dans tout ce que je dis. Mes travaux, ça prend pour le résultat entre 48 heures à 21 jours maximum. Je vous ai toujours dit les choses. Ce sont les mêmes choses que je dis au départ. C'est les mêmes choses que vous entendez ici. Donc, prenez soin de vous et à bientôt.